La ville de Mandalia reçoit une délégation du comité d'éthique et de communication des cadres du MPS à sa tête Mohamed Al-Mastour Saïd. Aussitôt arrivés, les membres de la délégation ont tenu un meeting pour sensibiliser les militantes et militants ainsi que les sympathisants du parti sur la révision du fichier électoral. En sa qualité de ressortissant de la localité et membre du bureau politique national, Youssouf Hassan Adoum a salué l'initiative. Hassan Kouchne Adoum, l'un des membres de la délégation, appelle les militants et sympathisants de cette formation politique à se faire enrôler pour obtenir leur carte d'électeur. C'est votre droit le plus absolu d'avoir une carte. Et ces cartes, ça va vous permettre de choisir là où vous voulez voter. Le chef de mission, Mohamed Al-Mastour Saïd, a pour sa part mis l'accent sur l'importance des recensements électoraux. Selon lui, l'enrôlement est un acte citoyen. Pour ce faire, toute personne à l'âge de 18 ans et plus doit accomplir ses devoirs civiques, conclut-il.